Salut à tous, c'est Isoka et on se retrouve sur Civilization 5 avec l'extension Brave New World. Alors, où est-ce que nous en étions? Oui, d'accord. D'accord, Marrakech. Allez, c'est parti. À l'épisode précédent, on avait découvert. On va le montrer rapidement. Hop. Non, c'était là. Voilà. On avait découvert l'idéologie. Donc on avait pu augmenter l'idéologie. Ouh là 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 là. Alors là, influencé par l'idéologie de ces civilisations pour l'égalité Maroc. Donc l'égalité est la préférée pour l'instant. Je sais pas comment il a eu moins 11 par contre. L'opinion publique génère 11 de mécontentement plus grand. Un mécontentement par ville ou par tranche de citoyens, de 10 citoyens. Waouh. Ah ça peut être méchant j'ai l'impression quand même, ce genre de truc. Donc bon, bah voilà. Je sais pas si c'est à cause de nous que ça s'est passé, mais on voit ici que l'Éthiopie a quand même 54, c'est quand même énorme. On va remonter le truc, hein. Les Mayas sont pas loin derrière, donc on va faire gaffe. Ok, alors donc, à Marrakech, on voulait faire. On peut rien faire, on peut rien faire. L'épopée nationale, je sais pas. Ouais, on peut. On peut essayer de faire une épopée nationale, mais je pense qu'on va plus faire un truc comme ça. Allez, un amphithéâtre, c'est parti. Tour. Non. Si. Ouais, si. Tour suivant. Et donc, l'Éthiopie, ben, il prépare une petite guerre, à mon avis, contre moi. Mais à mon avis, si je lance une guerre contre l'Éthiopie, je demande aux Ottomans de faire la guerre aussi. Peut-être qu'ils seront d'accord. On va refaire quelques archéologues, parce que nous avons quand même pas mal de lieux de. Bon, je sais plus, j'en vois plus là, mais s'il y en a encore là. Je crois que j'en avais quand même une bonne dizaine. Ici. Ici. Je crois que j'en avais encore quelques-uns, quand même. Pas mal. En tout cas, ici encore un, ici encore un. Ouais, il y en a quand même une bonne quantité pour augmenter notre tourisme dans notre au Maroc. Hein, au Maroc, tout simplement. Alors, ici, c'est Djéné. Djéné, on va augmenter ta production, peut-être. On va faire ça. Tour suivant. Alors, route vert annulée. Oui, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas s'il y a des zouaves là. Bah, tu vas là alors. Hein. Y a pas intérêt qu'ils mettent leur truc là, sinon je pète un câble. Alors ici. Ah, c'est bien, il faut un colisée là. Ah, un cirque, pardon. Normalement, ça apporte du bonheur ça. Je devrais en bénéficier, je crois. 5 tours pour un archéologue. Un tour pour le musée, ça c'est cool. Le musée est un endroit à emplacement, hein, donc déjà je pourrais mettre normalement, je crois. Les nations occidentales espèrent que les possibilités de communication offertes par la vapeur feront du monde entier une grande famille. Ouais, excusez-moi, je me sers un petit peu de thé, parce que moi j'aime beaucoup le thé. Voilà. Le moteur à vapeur, c'est nickel, c'est fait. Alors là, on avance quand même un peu plus vite, j'ai l'impression. On va tout de suite attaquer. Ah, je sais pas. 17 tours quand même. On va faire la chimie. On va faire la chimie, ça va aller un peu plus vite. Pour le reste. Fesses. Fesses, 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 fesses. Enfin, on a monté 15%. Peut-être que nous devrions faire. Peut-être que nous devrions faire de l'archéologie. Ou des fusillés. Allez, fusillés, c'est parti. Faut qu'on fasse des unités de toute façon, donc ici. Une épopée nationale, allez. Je le fais, ça nous donne un emplacement. Rabat. À Rabat, un opéra. Allez. Alors, on a notre fusillé qui est fait, on va tout de suite aller l'amener ici. Déplacer une unité en pilier. Non, c'est bon. Tour suivant. Alors. J'ai regardé un peu la démographie. Et on n'est pas si loin derrière quand même. On est vraiment. Je vais vous montrer après si vous voulez. Enfin, je ne le saurais pas si vous le voulez, mais je vais vous le montrer quand même, parce que je suis gentil. On a toujours. Ah, notre bonheur a augmenté encore, ça c'est bon. C'est vraiment bon ça.
Ouais, il se prépare vraiment. Ou alors il voit mes unités là, et il se dit mais c'est lui qui a commencé, donc... Le problème c'est que ça fait mal, les Méhal, ces Pharis là. Je sais pas c'est combien leur capacité d'attaque, mais... Ah, on a perdu 5 de science. c'est à mon tour. Donc, niveau démographie, hein, on est premier en territoire et premier en approbation. C'est tout pour l'instant. Niveau population, bah, les Éthiopiens sont beaucoup plus... je pense pas. Mais bon, les Éthiopiens sont que plus haut en population. Ça leur apporte sûrement pas mal de science par villageois, donc c'est sûr que ça peut être intéressant. Soldats, c'est les Ottomans, ça c'est clair, et je suis dernier, je pense. Niveau soldat, c'est pour ça qu'il faut que je fasse petit à petit une petite armée quand même. ça c'est les Zoulous, je crois. Les Aztèques sont derniers partout. Les Zoulous sont... Bah, je suis deuxième, hein. Je suis deuxième, vous voyez. Je suis pas si loin que ça. Je pense que c'est rattrapable. Et l'alphabétisation, je suis un peu dernier aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour la démographie. Tour suivant. Avec toutes ces unités là, comment les caravanes vont passer quoi. Puisque nous sommes en si bon terme, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les Aztèques et vous étiez devenus amis, moi aussi. Parfait. Nouvel accord de recherche. Ok. Chimie, un tour. Parfait. Et là, c'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est un lancier, ça. Okay. Ouais. Singapour vous échappe. Où que nous regardions, l'œuvre des chimistes a créé une civilisation meilleure et augmenté la productivité des nations. Voilà, donc la chimie et les canons sont disponibles. Production générée par les manufactures plus 1, les mines plus 1 et carrières plus 1. Très bien. Pourquoi Sophia m'échappe ? A terminé son projet, la quantité d'influence gagnée en cas de don d'or est devenue de nouveau normale. Ok. Mais il m'échappe pas, c'est juste 16 tours pour l'aviation, c'est trop. Faut que je fasse d'autres trucs. Les plantations et tout ça. Nourriture de femmes augmentée, les cases n'ayant aucun accès à l'eau douce. Je crois qu'on va faire une science. Ah, il nous faut la porte. Hein. Il nous faut la porte, ça peut être pas mal ça quand même. Un généraliste apparaît. A été construite et toutes les unités. Ouais. Soit ça, soit l'électricité. Mais cavalière berbère, ça a l'air sympa aussi. Surtout que c'est exclusif au Maroc. Allez. Voilà. C'est une unité exclusive au Maroc. On va en profiter. Toi, tu viens ici maintenant. Caravane. Parfait. T'étais pas avec Harare, toi. Toi, t'étais avec Singapour, je crois. Est-ce que Singapour recherche toujours? Singapour ne recherche plus. Par contre, il recherche... de la fourrure. Ici, Melbourne. Melbourne, c'est sûr. Mais je peux pas... Ils ont pas de... C'est fou, hein. Ils ont pas de... Ils peuvent pas me... Je peux pas faire de commerce avec eux. Et pourtant, ils recherchent ça. À moins que j'ai zappé un truc. Ils veulent une doctrine gratuite. Ah, ils veulent un savant illustre. Oui, ça m'étonne pas. Pour l'instant, le leader est à 315 et vous 210. Oui, c'est normal si je ne m'occupe même pas de ça. Et ici, ils veulent qu'on fasse le Machu Picchu, c'est tout à fait... Ah oui, on va voir qu'est-ce que ça donne à Casablanca, le Machu Picchu, pour l'instant. Justement. Et Ur, ben, c'est que maritime hein, que je pourrais faire. Donc, attends. Je gagne 4 or et 2 sciences. Ok, parfait. Très très bien. On est juste derrière les Zoulous niveau points. Et on n'est pas si loin que ça, on se rapproche des Éthiopiens. Hein. Niveau points, ça c'est cool. Tour suivant. Je pense que ça peut le faire. Là, vous voyez, on a les canons, on a les mêmes armes qu'eux. Hein. Il y a juste le Méhal Séphari qui pourrait être un peu barbare niveau puissance. J'en ai aucune idée. Mais ça a l'air d'être déjà une unité à poudre à canon. Donc... Nouvelle unité de Sophia.
Ah, c'est gentil, une unité militaire de Sofia, très gentil. Suite à un récent scrutin, votre influence a chuté de façon à Sofia, ouais. Les marchands de Malakas cherchent à acquérir de nouvelles richesses. Justement, des rumeurs circulent quant à l'acquisition d'une ressource précieuse, les fourrures. Connectez-vous à cette ressource, à leur réseau. Une autre civilisation est impressionnée. Ouais, dommage. Ouais, d'accord. Alors toi, tu vas me faire aussi un comptoir commercial, à mon avis. Hein. Allez, hop. Adjugé vendu. Toi, tu te le mets comme ça. Portail diplomatique. Ici. Alors, la fourrure, qui en a? Les Ottomans, on va les voir, les Ottomans. Échanger. Qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est trop ça, mec. Bon, bah voilà. J'ai échangé je sais plus quoi contre ça. Bah voilà, j'ai de la fourrure. Le bonheur passe à 20, c'est nickel. Vous avez vu ça? Le truc, c'est que il m'a proposé d'autres trucs et j'ai dit non. Du coup, il est d'accord. Bon, bah, franchement, c'est assez un peu bizarre, je trouve. C'est un peu bizarre. Ça, c'est l'unité que j'ai reçue. Ça, c'est cool. On va tout de suite la mettre là. Unité en attente d'ordre. Sofia, ouais, bah, je peux rien y faire. Hein. Unité en attente, ici. Bah, tu fais une route jusqu'à Melbourne. Et il veut pas la faire par là. Hein. Bon, c'est pas grave, t'es passé. Tour suivant. Ok. J'espère que vous allez bien. On est bien. Ouais, on est un peu plus de la moitié quand même pour les doctrines. Ça, c'est cool. En même temps, je crois qu'on est ceux qui en gagnent le plus. Ça, c'est cool aussi. Fourrure connectée à notre réseau. Nickel. Nous ne sommes plus avec Singapour. C'est pas grave. Fourrure connectée. Oui, ça, c'est bon. Alors, Tombouctou. Cher Tombouctou. Cher Tombouctou, tu as 10 citoyens sur ton truc. Recherche, la recherche convertit 25% de la production de cette ville en science. Donc t'as fini un archéologue, est-ce que tu peux en refaire un? Tu vas en refaire un. Toi, 4 tours pour un archéologue, tu vas en faire un aussi. Alors, t'en as juste un là, tu vas le faire. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Construire une fouille. Bah c'est la même chose. Tour suivant. Très très bien. En plus, maintenant que j'ai du bonheur, je peux faire la guerre. Ça, c'est cool. Enfin, je peux faire la guerre. Je peux rendre... De toute façon, ce sera fantoche. Il y a que peut-être Addis Abeba que je prendrai en ville à moi, mais le reste, ce sera fantoche si la guerre se fait. Ça, c'est clair. Ok. À Djenné. Djenné, c'est fait. Faire une unité militaire, je pense. Alors, ici, il y a déjà un bateau. Pas besoin. On va faire un cuirassé de vapeur. Ça, à mon avis. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Attendez, que je regarde un truc. Pour attaquer à Doha, des trucs comme ça. On va utiliser ça. Ouais. On va en faire que un pour l'instant. Et après, je ferai des canons. Ici. Ça. Tu viens là, maintenant. Caravane. On relance la caravane. C'était une caravane qui apportait, à mon avis, de la production à... Ou pas. Route précédente. Ah, c'était ça. Ok, bah, tu recommences. Comme ça, ils sont contents. Tour suivant. Je vais voir si je peux pas augmenter les unités ici. Je crois qu'on peut les améliorer. J'ai assez d'argent. On va voir ça de suite. Il y a la guerre qui se fait, c'est bien. À mon avis, dès que j'ai détruit ces premières unités-là, il n'y en aura pas d'autres immédiatement. C'est quand même des unités qui font mal. Bon, il y a un fusilier. Mes unités ici sont pas du tout fortes. Est-ce que je peux les améliorer? Oui. En canon, évidemment. Hop, c'est parti. Toi. Oui. En fusilier, c'est parfait. Toi. Toi, t'es pas dans mon territoire, je peux pas t'améliorer. Mais hop. Et hop, parfait. Ici. En lancier. Vas-y. Toi, en quoi? En mitrailleuse Gatling, non. En
lancier, oui. Je vois que j'ai pas de défense à fesses, c'est un peu dramatique. Il va me falloir très vite une défense là-bas. Et toi, je peux pas t'améliorer, pourquoi? Parce que j'ai plus d'argent, bah voilà. Tout simplement. Alors, construction à Marrakech, très bien. Donc j'ai fait mon épopée, c'est parfait. On va faire une... Nécessite un atelier dans chacune de nos villes, oui. Production plus 8, hein, quand même. Ici, il me manque une... université à Casablanca, mais il faut vite que je la fasse, en fait. On va faire une usine sidérurgique, là. Toi. C'est qui? T'es là? Oui, t'es là. Tu peux faire quoi? Plus 2 en or, ou... Elle fait plus 1 en production. Plus 1 en production. Next. Alors... Ah, archéologue, bien. Alors, on a trouvé 2 artefacts. Parfait, ça. Donc, risque de... Relique de combat rapproché. Épée courte. Attaquant Songhai, défenseur Maroc. Ah, du Moyen-Âge. L'artefact rejoindra l'emplacement pour chef-d'œuvre. Mmh. Deux cultures et deux tourismes, oui. C'est un artefact marocain, ben, je crois qu'on va prendre ça. Hein. Hop. Nickel. Tour suivant. On fera un monument à un moment. À un moment, on va faire un monument pour essayer. Hein. Je le ferai près de où, je ne sais pas. On verra. On va le mettre n'importe où, en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Chaka Zulu est un vrai fléau. Laisse tomber. Démerde-toi. Vous voyez qu'il n'y a plus de vert chez eux. Chez les Éthiopiens, il y avait... C'était plus du vert foncé, du coup. Sophia vous échappe. Besoin d'unité. Oui, nous ne sommes plus amériques. Ouais, ça va, ça va. Votre accord de recherche est terminé. Bien. Alors, le aimant le plus se lire. Donc, on est à 46 et 48. Donc, vous voyez, ils ont plus que 2 technologies devant nous. Je remonte pas mal. En fait, je suis dans les 3 derniers, quoi. C'est tout à fait normal. Un ingénieur illustre est né. Bien. Très, très bien. Bah, tu dors. Toi. Tu dors. Toi, tu dors. Toi, tu dors aussi. Toi, tu t'as... Je peux pas t'améliorer? J'ai toujours pas assez d'unités de trucs. Ok, tu dors. Attends un peu. Tu pouvais faire quoi, là? C'est quoi, ça? Piller une route commerciale. Ah. Ouais, c'est vrai que... Ah non, je peux pas piller parce que sinon ça déclare... Déclare la guerre, ok. Toi, tu te mets là comme ça. Toi, à tête d'alerte. Et tu vas venir ici. Et tu vas construire une manufacture. Mais j'ai pas envie, en fait. Je croyais que je pouvais le... Charles Stark Trapper. Je pensais pouvoir l'utiliser autrement, j'avoue. Et la manufacture apporte... Moins d'un... Oui, mais ça dépend où tu la mets aussi. Tu vas venir ici, et on verra ça au prochain tour. Bon, en fait, c'est juste un personnage illustre, hein. C'est pas un ingénieur illustre, je pense. Mais si, c'est... je sais plus maintenant. On va voir ça après. À fesses. Tu vas faire un canon. Je sens que la guerre va approcher, les amis. Ah bah regardez, heureusement qu'on avait fait un rempart. On est passé à 52 là, c'est cool. Ça c'est vachement cool. Ah, 2 petites secondes, excusez-moi. Et me revoilà. Alors. Bah tu vas faire ça. Hein. Plus 5 en production. Alors, à Rabat. L'archéologue est fait, c'est nickel. Ah, attendez, on va d'abord s'occuper. Rabat doit lancer... Oui, vous avez réussi à connecter votre ville à Melbourne, c'est nickel, on a eu du bonheur. Oui, donc voilà.
Troisième conseil d'Addis Abeda, quoi. Se réunir dans 5 tours. Ok, et Sadi recrue à Addis Abeba a découvert. Maintenant il complote contre les Zoulous. Ouais. Alors ici. Donc promulguer site historique ou. Ah, mais bannir, ça peut être intéressant quand même. Contre les Éthiopiens, ça peut être intéressant. Mais attendez, c'est qui a disparu ici? Il y en a un qui a disparu. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on est de moins en moins. C'est fou. Condition de victoire. On va voir qui a disparu. Je ne sais pas. Ah bah voilà. Les Aztèques ont disparu. Et Babylone, oui, ça c'est Babylone, c'était déjà fait. Oui, c'est ça. Donc les Aztèques viennent de disparaître. Très très bien. Ah ouais, on voit déjà les influences se faire. J'ai quand même une quasi bonne une moitié d'influence sur les Ottomans. Et bientôt sur les Aztèques, mais les Aztèques c'est fini. Askia, bah ça n'évoluera plus non plus, hein, ces deux-là. Sur les Zoulous, je commence à en avoir une. Ouais. Délégué nécessaire pour être élu dirigeant mondial, 32. Putain, j'en ai que deux, quoi. Je suis à la ramasse. Retour. Alors, je disais donc, Rabat, tu vas nous faire un musée. Hein. Hop. Et je vais tout de suite. De toute façon, j'ai pas de. Vous voyez, j'ai pas encore de. Tu. Satisfaite, c'est nickel. Très bien. Et vous voyez, c'est passé de je ne sais plus combien à 1, quoi. C'est juste horrible, quoi. C'est un truc de fou. Hausse lente. Ça c'est donc l'affluence qu'on a sur les autres pays qui restent. On n'est plus que 5. Ok. Bon, on verra bien. Alors, toi, archéologue, t'avais pas un truc tout près? Non, à Rabat, non. Ici. Et on va faire un monument à mon avis, là, cette fois-ci. Toi t'as fini, bah tu peux aller vaquer à tes occupations. Puisque la route est faite, tour suivant. On a un archéologue là qui va être fait. Colisée là. Musée là, sidérurgie là, canon là. Ok. Ok, bah ça se dessine pas mal, c'est bien. En plus ils font la guerre entre eux, donc du coup ils prennent du retard entre eux. Bon, pas forcément s'ils tuent des peuples, mais. Nous ne sommes plus amis avec Sophia. Bon, c'est pas grave. Complote contre Soliman. Ouais. Bon, il complote contre tout le monde celui-là, c'est. Mais regardez le nombre d'unités qui a disparu. Hein. À mon avis, il les a placées par là pour faire la guerre à Soliman. Ce serait peut-être le moment d'attaquer en fait. Hein. Il les a bougés par ici, ouais. Pourquoi j'ai pas pu. Tour suivant, j'ai dit. Ok. Alors ici, construction, hop, on continue le tour suivant. Alliance, Florence nous admire, ne porte plus aucun intérêt aux autres civils. Ce sont les hommes et non les armes qui remportent les guerres. Les esprits de l'homme qui obéit et de celui qui ordonne sont les clés de la victoire. Ouais, donc on a la cavalerie berbère, ça c'est bien, on va faire des cavaleries berbères, je pense. 34 en puissance quand même, hein. C'est quand même pas mal. Je crois que c'est plus puissant qu'un fusilier. Par contre, elle est montée, donc contre les lanciers, c'est un peu chiant. Elle reçoit des bonus de combat lorsqu'elle se bat sur les cases déserts et territoires marocains. Ok. Très bien, alors ici, on continue. J'ai très envie de passer à l'aviation. Donc on va faire ça. Je vais faire un truc. Je vais regarder un truc ici. Parce que ici, vous voyez, on peut augmenter un petit peu
Hop, on va faire ça. On va faire ça dans toutes les villes. Ça diminue notre nourriture, mais je vais faire ça dans toutes les villes, je pense. École publique, ça va nous augmenter. Ouais, non, là, je le fais pas. Ici, on en est où? Il nous reste... Ah, il est quasi fini, hein. Il nous reste 8 tours. 8 tours, mais on va favoriser la production. 2 tours, parfait. Si je le fais ici, ok. Je vais juste regarder ici, toutes les villes. On a deux citoyens qui sont dans l'usine, ouais, on va faire ça. On va rajouter un universitaire. 2. Ça va augmenter un peu notre science, en fait. Hein. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça, du coup. On va le faire, ça augmente aussi notre culture. Enfin, notre doctrine. Donc on va faire ça ici. Non, c'est pas possible. En fait, on va pas le faire pour l'instant. Il n'y a pas assez de nourriture. Attendez, je regarde un truc déjà. Pourquoi ? On favorise la production, ouais, ok. Ici, on favorise rien du tout, à Tombouctou. On va favoriser quelque chose, non ? On va favoriser la production. Comme ça, on a les archéologues plus vite. Et en plus, on met un universitaire, ouais. Et si je favorise ça, on peut en mettre 2. Ok, nickel. Jenny. Jenny, on va faire ça. On va favoriser aussi la bouffe. Et on va en mettre un deuxième. Parfait. Ici, c'est bon. Bah, on a fait le tour. Hein. Parfait, 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 parfait. Non, là, on va pas le faire. Ok. Donc là, j'ai fait ce que je voulais faire. On augmente pas mal un petit la production de la science. Donc voilà. On est passé de 16 à 14. C'est quand même pas mal déjà. Je crois. Tour suivant. Ouais. Bon, ça va, on est pas mal. On est pas mal. Se tourne vers d'autres, oui. Ok. Alors, Tombouctou, tu peux nous faire quoi ? Déjà, est-ce que tu peux acheter des trucs assez intéressants ? On va voir ça de suite. On va voir ça de suite. Ouais, non, acheter, on va pas le faire. Produire. Produire, tu peux faire une porte de bonne de Banrande de Bourg. On va mettre 39 tours, laisse tomber, quoi. Ça, c'est inutile. Inutile. T'as une source d'eau, donc tu peux faire un moulin à vent. Ça ? Non. Ah non, tu peux... T'as juste du vent, alors tu peux le faire. C'est cool. Non, mais... Archéologue, laisse tomber, c'est en 12 tours. Mais en même temps, j'ai favorisé la nourriture. Donc, c'est normal que la production soit un peu... On va refavoriser la production. Je vois que la nourriture est toujours à 5, donc c'est bon. Et tu vas nous refaire... Ah non, 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 modifier. On va faire une cavalerie berbère. Et bien, par rapport au fusillé, bah, c'est la même puissance qu'un fusillé, mais c'est à cheval. Et c'est un mouvement plus 4, donc c'est pas... C'est pas rien non plus. On va faire des... cavalerie berbère. Unité en attente. Il y en a sûrement un pas loin. Voilà, ici. Et c'est parti. Tour suivant. Cool. Alors ici, j'avais dit... Je sais pas où t'es, mais... On va faire un monument, j'ai dit. Voilà, on a fait un monument. Je sais pas trop où il est, mais c'est pas grave. C'est peut-être ça, non ? Non, ça c'est une usine. Ouais, c'est pas grave. Enfin, il m'a montré ici. Ah, il est là. Il est tout mignon. Je crois que c'est celui-là, ouais. Ou pas. Grand monument. Ouais, ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. Il nous apporte de la culture en plus, c'est cool. Tour suivant. Gelin pazarlığa tutuşalım. Hoşunuza gider mi? Oui. Puisque maintenant j'ai décidé de... Que j'allais un peu attaquer ces...
Non, il veut pas qu'on fasse la guerre avec, qu'on soit amis avec les Ottomans. Je me suis peut-être trompé, hein, c'est pas grave, on verra bien. On va attendre le prochain tour qui se termine. De toute façon, j'ai décidé que je pourrais faire la guerre contre les... Attends, t'es pas un peu sur mon territoire, là, mec ? Peu de choses dégagent autant d'intensité que la citadelle de granit qui surplombe les falaises à pic du Machu Picchu, la couronne du pays Inca. Parfait, le Machu Picchu est fait. C'est bien, ça m'apporte de l'or en plus, et l'huile de... Ouais, ça c'est bon. Parfait, parfait, je suis content. En plus, il y a un peuple qui voulait que je le fasse, donc ça c'est cool. L'aviation de 12 tours, c'est bon. Par contre, là, regardez. Ce salopard est dans mon territoire et il prend une de mes archéologues. Archéologie, là. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc, en fait, je pourrais très bien aller là. C'est bon à savoir. C'est un peu salopard, quand même, ça. Faut l'avouer, c'est un peu salopard. Alors, Casablanca. Casablanca qui a aussi une... Oh, ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant parce que c'est une... C'est une mine. Casablanca. Casablanca, Casablanca. Tu vas nous faire un phare. Unité en attente. Viens ici. Et tour suivant. Gelin pazarlığa tutuşalım. Başımıza gider mi? Ok, on fait la paix avec les Ottomans, là. Pour l'instant, on est en paix avec les Ottomans, ça va être cool. Machu Picchu construit pour le comte de Colombo. Oui, vous voyez, ça c'est bon, ça nous a donné blindés. Ça nous a donné blindés de bonheur, ça c'est cool. Alors, déjà on va faire petit à petit Agine Doctrine, nickel. Votre influence auprès de Colombo a diminué... comme Colombo vous l'a demandé, vous avez construit Machu Picchu, donc voilà, c'est cool. Comme Bratislava vous l'a demandé, bah nickel, ils voulaient tous le Machu Picchu, donc j'ai du bonheur à foison, là. Ils m'ont tous demandé, en fait. On est désormais le nouvel allié de Malacca, au détriment de l'Éthiopie, nickel. Alors ici, le troisième conseil d'Addis Abeba s'est réuni et votre délégation vous attend vos ordres. Et je dis, bah j'ai que... Ah, j'ai 3 délégués. Cool. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai 3 délégués. Ah, d'une cité-état. Nickel. Alors, site historique, ça nous apportait quoi encore? Les cases aménagées par des personnages illustres octroient 2 points de culture supplémentaires lorsqu'elles sont exploitées. Et les monuments construits par des archéologues fournissent plus 4 de points de culture lorsqu'ils sont exploités. Et ici, la ressource de lutte considérée immorale. Ouais, laisse tomber quoi. Enfin, je ne sais pas. Voilà, on fait 3 par là. Alors, ici, à Fès. Ah, on va faire la porte, je pense. Enfin, c'est pour la guerre, quoi, mais... Et 20 tours, c'est un peu énorme, quand même, faut l'avouer. Et attends, qu'est-ce que je favorise la production en plus, quoi. On va faire un château, ça va nous donner de la défense, puisque, de toute façon, on va être en guerre, je pense. Je le sens très très fort. Surtout s'ils viennent prendre mes sites, quoi. Ça me... Doctrine. Alors, doctrine, on va voir pour un niveau 2. Parce que plus vite on arrive à avoir un niveau 3, mieux ça sera, je pense. Coût d'entretien nul pour 6 unités. Obtention immédiate de 6 unités de légion étrangère. Waouh. Je crois qu'on va faire ça. Bonheur local plus 1 pour chaque moulin à eau, hôpital et laboratoire médical. Oh oui, ça c'est pas mal aussi. Ville puissance 33% en plus. Les spécialistes, le suffrage universel. Les spécialistes des villes produisent moitié moins de mécontentement. Ouais. New Deal. Bonus de 4 de production 4 plus 4 pour tous les monuments et aménagements des personnages illustres. 25% de production lors de la formation d'unités militaires. Vous savez quoi, bim. Voilà. Je sais pas où sont les unités, mais on verra bien. Choisir bien.
Ah, 11 tours, on le fait là, ici. Ah, ils sont ici. Waouh, légion étrangère marocain, quoi. Attendez, je regarde si on peut le... Est-ce qu'on a ça? On n'a pas ça, hein. C'est assez cool, ça. Donc j'ai 6 unités de légion étrangère gratos, quoi. Gratos, et elles ne me coûtent rien. Elles ne me coûtent rien du tout. Alors leur... Puissance 42 en plus. Mon dieu. Mon dieu. 42. C'est juste un truc de fou. Je rêve ou quoi? Tu vas venir ici. Bon, on va rapprocher nos unités, hein. Là c'est clair qu'on va peut-être commencer une guerre à ce tour, à cet épisode-ci. J'ai l'aviation dans 11 tours, mais bon. On va entrer dans l'ère moderne dans 11 tours. On sera peut-être les premiers, donc ça ce serait quand même assez avantageux si on y arrive. Mais je crois que là on va faire la guerre contre l'Éthiopie en fait. Avec 6 unités en plus. Je crois que c'est quand même assez intéressant quoi. Production plus 2, allez hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me botte pas mal. Et tu viens ici toi. Tu te sièges même. Oh là là, c'est excellent. Ça c'est excellent, j'avoue que là, je suis super content. Je sais pas si ça vaut quelque chose, mais j'ai l'impression, puissance 42 quand même. Légion étrangère. C'est quand même assez un truc de fou quoi. Là je peux pas le mettre. En plus, il y a beaucoup moins d'unités maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elles sont... Il y en a plus là, il y en a plus. On va peut-être commencer la guerre. On va peut-être commencer la guerre, en profiter vraiment. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Hein. Harar veut bientôt être un nom, je le sens. Ça. En plus, elle est toujours en dehors de la grande muraille, donc c'est cool. Question par rapport à Adoua. On a notre vaisseau ici, navire marchand. Oui, non, c'est pas celui-là. Et on a notre cuirassé dans 2 tours, ok. Alors, archéologie. On a un artefact Songhai et Malacca. Ils ont dû faire la guerre entre eux et du coup, ça produit quoi ça? Ça c'est plaine, cours d'eau, fouille archéologique. Ouais, y a rien du coup, on va peut-être faire ça. Voilà, nickel. Plus 3 en culture, on dirait. Tour suivant. Bon. J'accepte. J'accepte si ça me permet d'aller encore plus vite en science. C'est pas mal. Ouais, là par contre. On va attendre qu'elle se déplace là où il faut. Putain, c'est excellent quoi. Ça c'est vachement cool. Ici, on a une oasis. Est-ce qu'on peut. Faire quelque chose sur les oasis, je sais pas du tout. On va voir ça. Alors ici. Site historique désormais actif. Ah, donc on a promulgué les sites historiques, c'est cool. Euh, 25 tours avant quoi? Avant la prochaine session du congrès, ouais. Plus les joueurs progressent dans le temps, plus l'intervalle se réduit. Ok. Alors ici, à Rabat. À Rabat, on va faire un fusillé, je pense. Non, cavalerie berbère, allez, hop. Cavalerie berbère, ici. Ah ben, tu... Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai encore pas mal d'unités ici, donc je me dis... peut-être qu'on va commencer. Ce que je vais faire... Ouais, non, on va commencer. Je suis pas du genre à ne pas sauver, donc allez, hop. Enfin, à sauver et après recommencer. Si je foire quoi, c'est tout. On verra bien après. Où sont ces unités? Il y a des unités ici, donc ça, il faudra être vigilant, je pense. Ce que je vais faire, c'est garder une unité là, tout proche. On va voir avec les Ottomans. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Selamlar. Déclarons-nous la guerre à... Dinliyorum. Votre proposition attise mon intérêt, j'accepte. Pendant notre empire n'est pas prêt à vous suivre, laissez-moi 10 tours. Parfait.
Je regarde le temps qu'il est. Qui reste à la, pour la vidéo. 40, allez. Ah là, j'hésite. J'hésite. C'est quand même une grande décision parce que l'Éthiopie est quand même... où est-ce que j'en suis niveau militaire? Est-ce que j'ai un petit peu évolué quand même? Non, c'est pas ça que je voulais. Démographie. Niveau militaire. Je suis deuxième. Ah, et je me suis quand même beaucoup amélioré là. Bon, écoutez, vous savez quoi? Ça m'a un peu décidé. On y va. Cité alliée à qui? On a des routes commerciales, ça c'est sûr que ça va être un petit peu embêtant. Même le plus petit des royaumes ne mérite pas. Allez, c'est parti. Il ne possède rien d'intéressant. Nos espions nous signalent que la civilisation cible ne possède aucune technologie dont nous pourrions avoir besoin. Nous ferions mieux de l'envoyer vers une meilleure cible. Oui, y'a pas de problème, t'inquiète. Tu as attaqué finalement ou pas? Pas compris là. Boum. Défaite mineure. Attaque à distance, vas-y. C'est une défaite mineure contre eux, quoi. Hop. C'est des fusillés, ouais. Toi t'attaqueras au prochain tour, j'imagine. Toi, je t'avance ici. Alors, toi. Victoire majeure. Waouh. Sérieux, quoi. Toi, tu dois être trop loin, je crois. Un chouïa trop loin pour attaquer ça, non? Tu dois être trop loin, alors tu peux venir ici. Par contre, pourquoi vous bougez pas, les gars? Il y a trop d'unités ou quoi? Suivant. Bon, il y a un général. Vous avez vu, j'ai bien entendu que les unités s'éloignent pas mal. Bon, je suis en guerre contre les autres, mais on fera avec, on verra bien. Un ennemi est proche. Florence vous échappe, oui. Bon, après, un petit peu de baston, voilà quoi. Interrompu, oui, tu m'étonnes. Oh mon dieu, je perds 27 d'or, quoi. Oh mon dieu. Ouais, je perds 27 d'or, ça c'est un peu dramatique, j'avoue. C'est peut-être une mauvaise entreprise de ma part. Mais bon, j'avais envie, donc... Ça c'est fait. Ah, j'ai un canon qui est disparu, quoi, du coup. Ah, il se rapproche. Défaite mineure. Choisis une construction à Djenné.
21 tours reste tombé. Une caravane, ah ouais. Putain, c'est vrai que j'ai dissous 3 caravanes en même temps, donc caravane, on va refaire des... Ah, eh ben tiens. Tu vas défendre par là, toi. Toi. Viens ici. On attaque à rare direct. Ça fait mal, ça. Ça, c'est bon, ça. Toi, tu n'attaques pas, du coup. Elle est là. Pif, toi tu viens là. On a pas mal d'unités ici, donc c'est bon. On essaie de vite gérer les caravanes histoire de récupérer de l'argent. Puisque c'est normal que j'ai moins de. Puisque j'avais des trucs qui s'étaient basés vis-à-vis de ça, donc c'est normal que j'ai moins d'argent quoi. Bon là j'ai des unités qui devraient arriver dans 3 et 5 tours, ok. Ah, c'est mon tour, ok. Mais termine ton tour suivant. Ah zut, je pouvais l'attaquer avec Fess. Donc voilà, c'est peut-être sûrement une erreur stratégique de ma part, mais bon. Ah, il a reculé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Un petit peu d'action, c'est pas dramatique. Faut juste être vigilant que nos gars là ne viennent pas. Ah, voyez par exemple ça, c'est un peu embêtant. Tu peux t'améliorer. Ouais, non, je vais pas le faire pour l'instant parce que c'est un peu la merde si je le fais. Ici, Gatling, tu. Je crois que la Gatling, on va le laisser faire. Il est où le lancier? Ah, il est bien remonté. Hein. Non, tu tues là. Putain, c'est pas possible quoi. Ouais, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Regardez, ça descend pas mal lentement. Bim. Oula. Ah ouais, ça fait mal par contre. J'avais pas prévu. Ça, toi tu viens ici. Toi. Démolis ça, c'est cool. Tu peux même peut-être aller terminer ça, quoi. Non, non. Le lancier ici. Hop. Le fusilier qui est là. Défaite mineure, ouais. Ça ne m'étonne pas. L'aviation dans 8 tours. Alors une unité peut... Elle était là, c'est ça. Une unité en attente. Qu'est-ce que l'ouvrier fait là? Je comprends pas. Pourquoi il est... Mais vas-y... on va le laisser là pour l'instant. Et toi, malheureusement tu peux pas attaquer... attaquer ça. Je peux pas. Le berbère là, on va l'envoyer par là, ça c'est clair. Unité en attente. Reste là en attendant. Et en plus, avec qui on va faire du commerce? Toutes les cités-états, hein, sauf Malaka, sont contre nous, donc ça va être chaud. Mais Harar, il a pris cher là. Harar a pris cher. A mon avis, avec mes 3 canons, là, ça va, on va pouvoir très vite prendre la ville, je pense. Par contre, est-ce qu'on va la garder? Ça, c'est une autre histoire, mais... Je pense qu'on peut bien s'en sortir.
Ici, tu viens, tu reviens dans la ville. Toi, tu peux rien faire, quoi. Reviens ici. Tour suivant. Ensuite, j'ai oublié celui-là. Il aurait pu attaquer le fusil qui est là. Idéologie adoptée. Ça me dérange pas. S'il s'occupe de ça, ça me dérange pas du tout en fait. L'implacable Zulu dénonciation. Ok. En fait, je suis dans la merde. Votre légion étrangère a été détruite auprès. Oui, ça c'est pas très difficile, c'est pas très dommage. Une unité est proche, alors laquelle mieux vaut? Celle-là est un peu plus inquiétante. Tu peux tirer de là? Juste eux, ok. Voilà. Et le lancer, on va le laisser là pour l'instant. Les Ottomans ont adopté une idéologie, l'ordre. Ça va, c'est toujours la mienne qui est la mieux, donc c'est bon. Les Zoulous vous ont dénoncé, ouais. Ok, unité en attente. Ah mais putain, elle se soigne super vite ce fusil. Ce canon, on n'en parle plus. Naissance d'un personnage illustre, très bien. Voilà. Voilà. C'est parfait. Alors ici, on va le faire venir ici, je pense. Et on va faire un truc là. Ici, est-ce qu'ils sont juste, ils sont pas juste à côté? Mais ils peuvent pas attaquer de toute façon. Ok, alors ici, toi tu attends. Ah, saloperie. Plus 25. Ouais, je saisis pas trop là. Mais il me faut une unité là. Il me faut une unité. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Je peux pas attaquer. Pas de cible ennemie adjacente valide. Ah, elle est adjacente. Ouais. Bah, stratégiquement, il joue bien. Hein. Il attaque par derrière, c'est cool. Le personnage illustré est fait. Tour suivant. Alors, Harar, ce sera sûrement au prochain tour que ça va être pris, je pense. Toi, tu restes là comme ça. Je perds 33 en or. C'est horrible. Une unité est proche. Ungavuma ukdaisa. Ok, ok. Ah, peut-être qu'on va pas pouvoir récupérer Harar, je ne sais pas. On va voir ça. Toi, t'as accès à quoi? T'as accès à ça. Attaque à distance. On va d'abord attaquer ici. Toi, tu attaques ça. Ah, bon, on va la prendre. Toi, tu attaques ça. Rentre. Voilà, Harar est à nous. On va la rendre fantoche. Vous avez pillé 239 or, 0, 4 et 4 de 4 chefs-d'œuvre. Très bien. On a accès aux chefs-d'œuvre quand même. Vous pourrez voir la ville, voir à quoi elle ressemble. Ouais, donc il y a des musées,
Il y a une cathédrale, opéra. Ah ouais, c'est quand même assez intéressant de la voir, je pense. Hein. Pour les emplacements, quand même. Surtout qu'il y a les chefs-d'œuvre dedans, quoi. Allez, on annexe. On annexe la ville. Ouf. Je suis passé de 19 à 1, quoi. Ça, c'est juste horrible. Ça, c'est juste horrible. On t'élimine. Voilà. Quoi ? Voilà, éliminé. Bon, toi, tu te soignes. Fusillé, tu fais quoi ? Défaite mineure. Putain, quoi. Ils sont... Le problème, c'est qu'on peut pas voir l'attaque de l'adversaire. Faut connaître les unités pour ça. Et je la connais pas. Par contre, ici, il va falloir vraiment... Ouais, il prend des dégâts, hein, en fait. Il est sur le truc là, mais il prend des dégâts, quoi. Je perds 48, quoi. C'est fou parce que je gagne pas mal aussi, quoi. Je sais pas. Ah mais non, c'est parce que j'ai pillé, oui. Ok, bon... J'aurais pas dû l'annexer, je pense. Je peux rien faire dessus. On va faire un tribunal rapide, je sais pas si c'est seulement possible. Pour augmenter ici, tu peux être promu. Voilà, toi tu attaques. Voilà. Alors toi, tu vas venir ici. On va les soigner. Notre légion étrangère dont je n'ai aucun mauvais bénéfice. Toi par contre, tu vas y aller là-bas. Là, il nous faut de l'aide. Hop. Toi, tu attends. Ici, au prochain tour, on va avoir ce truc-là, c'est cool. Lancier, bah tu dors pour l'instant. Et toi tu te soignes. Construction à fesses. On peut faire un ermitage. Tiens, et à Marrakech ça donne quoi? 6 tours, ok. À fesses, l'arsenal serait quand même pas mal. Hein. Défense et points de vie en plus. On va faire ça. On devrait le faire à Tombouctou aussi en fait, hein. Des bonnes défenses, puisqu'elles sont quasi vraiment... Le problème maintenant c'est la Grande Muraille, elle est vraiment grande, et en plus ça apporte un bénéfice à l'Ethiopie. Ah, leur canon, ils ont apporté leur canon, ça c'est dramatique. Je vais devoir vraiment attaquer ces unités là, maintenant. Alors, on a notre... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'est vrai. En récupérant... ce territoire là, la route est devenue libre, maintenant j'ai accès. Très bien, bah voilà, c'est bon. Ouh. Très très bon ça. Très 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 bon. Ok. Alors ici, avec une puissance de 34, défaite mineure. Ouais. C'est un peu chiant. Bah écoutez, hop, victoire mineure. On va faire ça. Tu peux pas aller. Pourquoi ? Ok, bah reste là, on attend. Non, je dois te désempiler, donc... Tu vas venir ici, hein. Ah, ils l'ont pas fini. Bizarre, site antique, ils l'ont pas fini. Les canons, vous bougez ici. La mitrailleuse Gatling, tu viens là, toi... tu viens ici. Toi, tu vas aller aider notre ami ici. Ouh, ça c'est excellent quoi. Défaite mineure quoi, mais. Oups. Toi par contre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fusilier qui vient me faire. Ok. C'est juste énorme là. Là j'ai pas mal fait, je pense. Là c'est quand même. On est pas mal, on est pas mal. Je suis assez content du résultat. Canon.
On va tout de suite se déplacer vers Addis Abeba, je pense. Tu viens là. Toi, tu attaques ça. Toi, tu viens là. On va tout déplacer, hein. Toutes les unités ici vont être déplacées. Toi, tu te soignes. L'ouvrier, tu veux faire une route? Non, pas besoin. Tu va qu'à tes occupations. Et Casablanca, ben voilà, t'es tranquille. Hein. Donc déjà, non, je ne te bougerai pas en mitrailleuse Gatling. Ok. Bah franchement, je pense que c'est une bonne chose qu'on a fait. Toi t'es monté. On va te monter en accidenté, c'est bon. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'on gagne encore de l'argent, quoi. Donc voilà. Bah toi, pourquoi tu bouges pas? Parce que t'es bloqué. Est-ce que tu peux? Non, d'accord. Ici. Ce qui serait top, ce serait un archéologue, mais on va faire autre chose. On va faire une banque. Non, je rigole, hein. On est en guerre, je vais pas faire ça. Je gaulerie. Alors, fusillé 34. Ouais, c'est ma plus puissante force, c'est 34. Même le canon, il fait que 20, quoi, c'est... Mettons beaucoup tout... Non, attendez. J'avais dit que j'allais faire autre chose, là, non? On va faire une caserne, ça va augmenter l'expérience. Ah non, voilà, rempart. C'est ça que j'avais dit que j'allais faire. Tour suivant. On a 48 en tourisme, mais on a récupéré plein de trucs. J'en ai assez de vous, j'ai expliqué aux autres dirigeants que le monde que travailler avec vous est une erreur. Ah bon? On était amis, les gars, oh. On n'était pas un peu amis? On est pourris, quoi. Non, ça, je trouve que ça, c'est un petit peu illogique aussi, hein, ce genre de truc. On est amis, tout va bien, tatati tatata, mais... Mais après, voilà, quoi. Je trouve ça un peu dommage, personnellement. Unité promue, fusillée, oui... On va te mettre en accidenté, toi on va te reculer. Pour que tu te soignes. Toi. On va te soigner dans la ville. Ça. Toi, la caravane sert berbère. Il y en a déjà un normalement qui vient, donc toi tu peux monter. Faut que tu sois adjacent, c'est ça. Ici, caravane. Ah, une troisième. Oui, c'est la troisième caravane que j'avais fait, ça c'est cool. J'ai plus rien, je peux faire plus rien du tout. Qui fait quoi ici? Toi tu fais quoi là? Un château. On va apporter de la production à Tombouctou, je crois. Que ça n'apporte rien, ça. Vas-y, fais ça. Je regarde l'heure.
Ok, bah on va se laisser ici, hein. On va se laisser ici. Je pense que c'est un bon épisode. Il s'est passé pas mal de choses, hein. On a fait. Bon, stratégiquement, je sais toujours pas si c'est une bonne décision ce que j'ai fait, parce que je suis en guerre contre tout le monde, hein, comme vous le voyez. Mais je pense que on est pas mal niveau soldats. On a quand même eu 6 soldats en plus d'une légion étrangère totalement gratuite. Donc ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien. Par contre, là, les Ottomans, ben, ils nous ont dénoncés. Donc ça c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi. Vous avez choisi d'adopter l'égalité. Ouais, mais c'est toi qui as choisi autre chose après, quoi. Ils nous ont dénoncés. Ils trouvent que. Ouais, bon, ça va. Donc je sais pas. Peut-être que voilà, ils nous font un peu embêter. Ici, j'ai encore des cités-états amis, mais la plupart sont ennemis, c'est pas grave non plus. Donc prochainement, destruction de ces petites unités ici, qui sont un peu embêtantes, et on va commencer à attaquer Abeda, pardon. On va créer d'autres canons, parce que sinon on va pas pouvoir. Et bien sûr, les prochaines villes seront fantoches. Donc cette capitale sera fantoche et Adoua sera fantoche. Si on arrive jusque-là, évidemment. Ici, j'ai. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai 1? Si t'as atteint un nouveau grade recrue. Est-ce que je dois le déplacer ou un truc comme ça? Pas de mission! Ah ouais, d'accord. J'ai déjà un contre-espionnage à Marrakech. On va l'envoyer chez les Zoulous, je pense. Déplacer à Ulundi. Hein? Choisissez une ville, s'y installe et commence des opérations, envoyez un espion dans la capitale adverse. Ouais, eh ben. Ah bah, diplomate en fait, hein, voilà. On va faire ça comme ça. Et bien voilà, je vous dis bonne journée, bonne soirée. J'espère que cet épisode vous a plu parce que voilà, c'était un peu la folie, la guerre et tout ça. Mais en tout cas, on a dit aux Éthiopiens, c'est bon, faites pas chier. Les sites archéologiques, c'est à moi. Notre territoire est quand même agrandi. Bon, le bonheur, ça, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. De toute façon, on récupère toutes leurs ressources à chaque fois, et le libre passage est de revenus, du coup, on est beaucoup moins embêté. Par contre, les Ottomans, là, ben, j'ai l'impression que prochainement, ce sera leur cas. De toute façon, voilà, on va voir ce qu'on va faire au prochain épisode. À mon avis, ça va être un peu la guerre, cet épisode-là aussi. Surtout qu'on passe à l'ère moderne dans 5 tours. Et je pense pas qu'il y ait d'autres peuples à l'ère moderne en ce moment. Donc ce serait vachement avantageux pour nous si on y arrive. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!